Bonjour mon père, pouvez-vous nous parler de l'Avent s'il vous plaît? Bien, l'Avent c'est le début de l'année liturgique, c'est le premier de l'an, c'est la page blanche qu'on commence, que l'Église recommence et que chacun de nous recommence avec l'Église. Et nous sommes comme ce premier jour de l'Avent, nous sommes comme l'écolier devant la page blanche où il veut que l'écriture soit impeccable. Et alors avec l'Église, nous récapitulons tout le temps depuis la création et depuis la Genèse, depuis le péché originel, jusqu'à la naissance du Christ qui est venu tout réparer. Et nous faisons ça, bien sûr, avec la Vierge Marie qui portait l'enfant, qui portait le Christ qui restait l'éternel, engendré éternellement par le Père, et puis qui était engendré humainement par Marie, hein, sans que le Père soit ni le géniteur humain, ni celui qui engendrait humainement le Christ, non, mais il assumait le Christ qui lui-même assumait cette humanité où il s'est fait faible, souffrant, et où il a pu mourir, et il devait cette fragilité qu'il a acquise, eh bien, il le devait à la Vierge Marie. Et il y a un admirable poème de Marie-Noël qui nous raconte ça, qui nous dit, la Vierge se demande, dit au Christ, tu m'as tout donné, mais moi, qu'est-ce que je t'ai donné? Alors trouve avec bonheur, eh bien, oui, je t'ai tout donné, eh bien, quand tu es entré dans cette faiblesse, dans cette souffrance, dans cette mort, de mort, mon fils, tu n'en avais pas pour sauver les hommes, et cette mort, c'est moi qui te l'ai donnée. Merci, mon père.